Bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve ce soir pour une guidance assez rapide pour aller voir par rapport au portail du 666. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se débloque? Qu'est-ce que ce portail finalement vous attire au niveau des énergies dans votre vie? Donc voilà, trois choix. Le premier choix, ça sera le rat. Pour le choix 1, le rat. Pour le choix 2, nous avons le saut en parachute. Et pour le choix 3, nous avons la carte postale. Donc trois choix. Choix 1, le rat. Choix 2, le saut en parachute. Choix 3, la carte postale. Je vous laisse prendre un petit moment pour faire votre choix. Je vais les poser comme ça pour que vous puissiez les voir. Voilà. Je vous mettrai le timing en barre de description dès que j'ai le temps. Et ben, désolé, en fait, j'ai zappé le portail. Donc, j'ai quelqu'un qui me l'a rappelé. Donc, merci beaucoup à toi. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et puis, on va commencer la guidance, qu'il est déjà tard. Bien sûr, ces énergies-là vont vous accompagner pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Hein. Donc, voilà. Mais j'aime bien faire les guidances au moment où il y a le portail, où les nouvelles lunes. Ça peut être fait un peu après, mais bon, voilà. Moi, je préfère faire comme ça. On va commencer pour le choix 1 qui était le choix du rat. Je vais mettre les deux autres de côté. Hop là. Du coup, je vais demander ici, dans quel domaine ou situation de votre vie aura un impact le portail. On verra s'il y a plusieurs domaines qui sortent ou s'il y en a plutôt un. Voilà, j'ai envie de faire comme ça. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera en tout cas. On y va pour le choix 1. Sur quel domaine de votre vie agira le portail du 666? Alors, donc, déjà on a le côté denier, donc on va parler de financier, de matériel. Ok. Pas que, hein, mais voilà, on a quand même du denier. Encore une fois. Ok. Alors ici je dirais que il y aura un bon. Déjà on a le soleil qui sort. Donc on parle de bonheur, d'éclaircissement, d'épanouissement. C'est une carte qui est positive, d'accord? Donc ça va vous aider à être encore plus dans cette énergie de soleil, de bonheur, d'éclaircissement et d'épanouissement. Pour ceux où, à l'inverse, vous êtes dans le flou actuellement concernant des situations financières, je ressens beaucoup plus de financier. On vous dit qu'il y aura une sécurité financière. D'accord. Ici, il faut être à l'écoute de vous-même, d'accord? Si en faisant des choses qui vous passionnent, si en étant à l'écoute de vous-même, de vos intuitions, que vous réaliserez, j'entends des bénéfices financiers, que vous rentrerez de l'argent, parce qu'il y aura non seulement une énergie d'abondance financière, mais aussi une énergie d'abondance de passion, de voilà, vous voyez qu'on fait quelque chose qu'on aime, et ben finalement. C'est un peu l'expression quand on aime, on ne compte pas. Bah, quand vous allez faire par exemple un emploi ou quelque chose où vous pouvez gagner de l'argent mais qui vous passionne, vous n'allez pas vous dire, oh là là, j'ai un travail qui est pénible, qui est dur, mais je ne gagne pas assez. Vous voyez, là, c'est vraiment une richesse qui va vous nourrir de l'intérieur, mais aussi financièrement. Donc sur ce côté-là, déjà, on voit qu'ici, il y a un effet par rapport à ce portail-là. D'accord? Donc sur le fait aussi de se sentir en. Il y a peut-être aussi une sécurité intérieure qui arrive. Peut-être que pour certains, vous aviez financièrement des moyens. Vous avez des choses qui vous appartiennent, hein, une maison, une voiture, un emploi, une famille, etc. Et peut-être que vous vous sentiez en insécurité malgré tout. Donc ici, ça peut venir agir aussi sur votre sensation de sécurité intérieure. D'accord? Pour que vous preniez conscience que finalement, vous n'avez peut-être pas besoin d'être millionnaire pour être heureux. Voilà. Alors oui, je pense que le financier, qu'on en manque, c'est pas une énergie qui est agréable. L'argent ne fait pas le bonheur, mais quand même, ça y contribue. Hein. Voilà. Aujourd'hui, tout est payant. Voilà, enfin, une bonne partie des choses. Donc, effectivement, faut pas non plus dire des conneries. Tout le monde a besoin d'argent et tout le monde vit avec l'argent, ne serait-ce que pour se nourrir. C'est un besoin quand même important. Ok, je vais mettre une autre carte pour voir si on a un autre domaine qui sort. On a la carte du bélier qui nous parle d'action, de courage et de force. Impulsivité, autorité en sens négatif. Ici, je ressens
deux choses. Soit vous êtes impulsif dans vos achats, donc des achats compulsifs, on va dire, et du coup, bah, ça vous met tout le temps en insécurité financière. Et là, on voit que vous allez peut-être prendre conscience de qu'est-ce qui faisait que vous aviez cette forme d'addiction financière à toujours dépenser, dépenser. C'est possible. Pour d'autres, ça sera vraiment que vous allez réussir à mettre des choses en action, avoir du courage et de la force par rapport à une situation financière qui est compliquée actuellement. Voilà, il y a une notion comme ça ici. Je vais bien sûr compléter pour voir vraiment. Donc, je vais prendre. Je vais déjà prendre. Hop, ce jeu-là, on prend une carte. Le choix numéro 1 avec le rat. Qu'est-ce que ce portail vous aide à débloquer et amène à vous dans la matière? Ok, je prends celle-là. Le 11. Le chiffre 11. Donc ici, on vous parle. C'est grâce à une attitude et une affirmation positive que vos désirs se manifestent et que vos objectifs se matérialisent. Donc on est bien dans la matière et c'est bien le fait de matérialiser quelque chose. Dans toutes les situations, voyez le positif. Donc ici, le soleil, ok, merci de me rappeler. Ici, je pense que c'est peut-être que vous, actuellement, vous êtes focalisé sur votre côté financier matériel. Pour certains, pour d'autres, ça peut être autre domaine, puisqu'ici, on nous parle bien de toutes les situations de votre vie. On parle d'un éveil spirituel, d'une illumination, donc avec le soleil, on parle aussi d'éclaircissement, hein. Accomplissement, inspiration, intuition, créativité. Donc ici, c'est très positif, on voit que ce portail vous amène de la clarté. Peut-être qu'actuellement, vous étiez dans le flou, vous aviez l'impression que votre situation était critique, était très dure, compliquée, mais vous ne voyez pas les choses à vous arriver, vous parvenir. C'est comme si là, le brouillard, en fait, se lève et que le soleil va briller et tout est là devant vous, en fait. Et vraiment, je ressens que ça va être de manière assez brutale, positivement. Vous allez vous dire, waouh, ok. Alors, je vais compléter encore. Allez, le choix numéro 1 avec les rats. Stabilité affective. Donc, je voyais, je le ressentais un petit peu. Et si peut-être qu'il y avait un manque, peut-être le chakra du cœur bloqué. Parce que je le rappelle, selon moi, c'est ma croyance, qu'on a le chakra du cœur qui est bloqué, en tout cas qui... un chakra n'est jamais vraiment fermé, mais qui est en sous-régime, bah, ça crée. On peut pas, voilà, on n'est pas ouvert à la réception. On peut donner, mais pour recevoir quelque chose, c'est compliqué. Donc forcément, dans tout domaine confondu, l'énergie, elle circule pas, c'est pas fluide. Donc ça peut jouer effectivement sur l'abondance. Ici, moi, pour moi. Il y a une forme de stabilité affective, bien sûr, le manque financier, peut-être le manque d'argent, le manque de peut-être que voilà, les choses n'arrivent pas à vous parvenir, ça vient de votre intérieur. Et là, il se peut que la stabilité affective vous permette de retrouver. Donc la stabilité affective, je la ressens vis-à-vis de vous-même. Là, on ne parle pas de quelqu'un d'autre, c'est vraiment vous avec vous-même. Ça apporte le soleil. Voilà, ça s'illumine, ça s'allume. Vous pouvez avoir aussi des idées. Et vous mettre en action par rapport à des idées qui vont vous faire trouver la sécurité financière. Ici, si j'entends, il n'y a pas de sécurité financière parce que il n'y a pas de sécurité intérieure. Vous vous sentez pas en sécurité et du coup, ça crée de l'insécurité aussi dans la matière, dans votre extérieur. On a aussi la notion d'éveil spirituel en deux decks. Hein. Donc là, il y a vraiment, c'est vraiment au niveau de la spiritualité qui a un déclic, quelque chose, un éclaircissement qui va vous permettre effectivement de récolter dans la matière. Allez, je complète encore. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Donc là, c'est clairement tout en raccord. Ici, vous êtes dans le flou actuellement et vous ne voyez pas les choses clairement. Vous avez peut-être l'impression que c'est bloqué, que c'est coincé, que vous allez vivre toute votre vie dans le manque, qu'il n'y a jamais rien qui se passe de positif ou qu'une situation ou plusieurs dans votre vie est bloquée. Ici, on vous dit qu'en fait, il faut voir au-delà de ce qui est visible avec vos yeux. Hein. Il faut se connecter à son intuition, il faut ouvrir son troisième œil, le chakra coronal ouvert, on reçoit des visions, des flashs, on fait des rêves. Ça permet d'éclaircir, en tout cas là, ce que ce portail vous amène, c'est ça, un éclaircissement important. Ça peut être aussi des choses qui vont se produire réellement dans la matière, hein, et vous allez vous dire, bah, je me suis inquiétée pendant tout ce temps-là pour rien parce que finalement tout était là. Ok. Et ça, c'était nécessaire pour vous faire un travail intérieur.
Allez, le portail pour vous, le choix numéro 1 avec les rats. Donc on voit, hein, les rats, ils rongent, hein, le souci. Hein, le souci, voilà, le rat, il grignote tout, ça perce le sac dessous, voilà, hein, les sous qui tombent. C'est ce que je vois comme image, donc je vous le transmets. Hein. Oula, oulala. Là là. Ok. Alors, je reprends tout ça et je vais en prendre qu'une seule. Le choix numéro 1. Hop là. Allez, c'est parti. Le choix, le portail 666 d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Alors, ici, on a le rite de passage, rêve et soutien. Je vous l'ai dit, hein. Là, il y a des rêves qui vont vous apporter une clarté, peut-être des réponses. Vous avez demandé des réponses, vous avez fait des prières et vous allez avoir les réponses à vos prières dans les rêves. On va vous aider là, l'univers, les anges, les guides vous aident à travers les rêves. Ici, vous êtes en train de passer vraiment, il y a un rite de passage, quelque chose d'important. Et du coup, c'est pour ça que par les rêves, ils vont vous soutenir, ils vont vous transmettre des messages, des informations qui sont importantes pour vous actuellement à comprendre. Il vous aide à traverser tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Ok, je vais prendre une carte du tarot des sorcières et je terminerai avec l'oracle de Laura. Non, je vais terminer avec le Line of Love. Ok, allez, une carte ici. Alors non, j'en veux qu'une pour le choix numéro 1 concernant le portail, le 10 de Pentacle. Ici, cette carte pour moi représente vraiment la richesse intérieure qui se manifeste à l'extérieur. On voit qu'il y a un couple ici. Je suppose qu'il y a le grand-père qui s'occupe de leur bébé. Il y a le chien. On a une belle maison, un grand terrain, un grand extérieur. Pour moi, c'est la richesse intérieure qui se manifeste dans votre vie, dans la matière. Il fallait un déclic. Il y a de la fidélité, être fidèle à soi-même. Être dans le partage, dans la générosité avec soi et aussi avec les autres. Pour moi ici, avec le 4 de denier avant, il y a vraiment quelque chose qui arrive dans la matière au niveau financier pour vous. Très positif. Et on apprend de deck le 5 de coupe. Le 5 de coupe résume quand même que cette personne, elle a 3 coupes renversées, elle se focalise et elle déprime là-dessus alors qu'elle en a encore 2 ici qui sont pleines en fait. Donc, c'est le fait de se sentir dans le manque alors qu'en fait on a tout ce qu'il nous faut. Ça me fait penser à la chanson de Slimane et. Non, de Vita et Maître Gims. C'était quoi là? La dernière qu'ils ont faite où elle dit je me rends compte que le bonheur est juste à côté. Ça me fait penser à ça vraiment. Là, il y a un éclaircissement. Vous allez vous rendre compte que finalement, le bonheur, ce qui était là pour vous rendre heureux, heureuse, qui voilà, et ben en fait était juste à côté de vous et vous ne vous en rendiez pas compte parce que vous focalisiez que sur le côté négatif, sur la perte, sur le manque. Ok, alors on termine. Je vais compléter donc ces 4 cartes-là avec le. Enfin, je vais compléter, je vais rajouter les cartes, pas compléter. Avec le Line of Love ici pour vous, le choix numéro 1. Le portail, qu'est-ce qu'il apporte pour vous dans votre vie? Qu'est-ce qui vous aide à débloquer, à apporter dans votre vie? Plus de légèreté, prendre la vie plus comme elle vient, se laisser porter aussi par les événements de la vie. Ne plus s'arrêter sur la moindre petit problème, en faire un cinéma, à se rendre malade, lâcher prise et se dire, ok, si ça se passe comme ça, c'est quelque chose de mieux qui m'attend. C'est vraiment ce que je ressens ici. La chance. Waouh. On prend de la hauteur, on prend du recul sur son propre destin, j'entends, sa propre vie. On sort de l'ombre. En fait, c'est comme si ici le portail émet une énergie qui passe sous vos pieds et qui vous soulève au-dessus de l'orage, en fait. Et là, vous voyez au loin, en fait, que tout est là. J'ai vraiment cette notion-là, c'est très beau. Donc la chance. La chance, c'est que. En fait, avec la légèreté, je vois vraiment ce vent qui chasse les nuages, qui chasse les confusions de votre esprit, de votre mental. D'accord? C'est ça aussi, cette chance qui arrive. Vous vous rendez compte que la chance, on s'en donne les moyens, on se donne l'opportunité. Des fois, il y a plein d'opportunités, on ne les saisit pas. On ne se donne pas la chance de réussir, on ne se donne pas la chance de créer de nouvelles choses. Si on saisit, voilà, des fois par peur de l'inconnu, par peur de se tromper, alors qu'en fait, vous y seriez allé, vous y seriez allé, ça aurait été une opportunité de ouf. Donc là, vraiment, il y a
Je sens cette énergie qui vient chasser les confusions, les doutes. Par rapport à une. Alors, on a une notion de séparation, d'accord? Donc, ça peut être que vous vivez actuellement dans une relation qui ne vous correspond pas, vous voulez vous séparer, mais vous ne le faisiez pas parce que vous aviez des doutes, des confusions, peut-être des peurs par rapport à cette séparation. Pour d'autres, ça peut être le fait que le cœur et le mental n'étaient pas alignés et donc ça crée une confusion en vous. Une forme de dualité quelque part. Je vais la compléter quand même cette carte. On retrouve de la passion, on a la carte de la sexualité, hein, mais on retrouve de la passion. Donc pour certains, vous sortez d'une relation qui était toxique. La relation était toxique, pas l'autre en face. Vous ne vous correspondiez plus, mais vous restiez peut-être pour des raisons financières. Pour d'autres, voilà. Donc soit il y a la solution financière qui arrive, vous allez du coup passer à l'action avec le bélier. Sortir de cette situation pour aller vers quelque chose de plus passionné, de plus passionnel, donc ça peut être une nouvelle relation, ou rester seul tout simplement et s'écouter et suivre ses envies. Pour d'autres, c'est vraiment que vous reconnectez avec votre mental et votre cœur, et vous allez aller vers plus de passion dans votre vie et vous serez plus dans ces énergies de peur, de crainte, de stress. Voilà. Vraiment, c'est ce que j'entends. Donc c'est vraiment la fin des perturbations de votre mental et de votre ego qui vous empêchaient d'agir et d'écouter votre cœur. Ok, c'est très intéressant. Donc on va finir par un conseil avec le jeu de la lune, le petit oracle de la lune, le jeu de la lune. Allez, le choix, hein, le conseil pour vous. L'acceptation. Tu es dans une période d'élévation, je vous l'ai dit, hein. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère, donc le soleil. Hein. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Donc la légèreté, voilà. Moi je pense qu'ici, vos guides, l'univers sont vraiment très présents actuellement. Et avec l'énergie de ce portail qui va enlever des doutes, des peurs et qui va vous permettre de retrouver plus de légèreté, ils vont vous pousser un grand coup pour que vous alliez vraiment sur le bon chemin, sur ce qui vous passionne, sur ce qui est là pour vous, qui vous attend. Ici, le groupe 1, moi je pense que y a quelque chose qui vous attend. Je vais prendre juste quelques breloques. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le lapin blanc qui pour moi est signe, bah, le lapin il va vite hein, et se déplace rapidement. Et il est blanc, donc pour moi il y a rapidement une purification là. Une purification qui va être rapide, c'est pas quelque chose qui va durer longtemps. C'est quelque chose qui va être rapide et qui va vous apporter de la douceur. Ici on a l'énergie du scorpion et on a aussi le dauphin. Moi je pense que vous allez avoir la force. Du scorpion dans ce côté émotionnel, d'aller creuser, d'aller chercher au fond vraiment ce qui fait mal, d'aller vraiment voir cette partie d'ombre émotionnelle, mais qui va être apaisée avec l'énergie du poisson. Je ressens, voilà, donc après vous pouvez être poisson, ascendant scorpion, vous pouvez être scorpion, poisson, mais en tout cas pour ceux qui ne sont pas signes d'eau, je ressens vraiment cette énergie. Est-ce que vous aviez une grosse blessure, d'accord? Peut-être qu'il y a une grosse blessure ici, hein, qui vous empêchait d'aller de l'avant. Et vous allez, une fois pour toutes, décider de la regarder en face et de vous dire, ok, au moins j'aurai mal une bonne fois, mais après, terminé, on n'en parle plus, j'avance. Alors, une notion comme ça. Je vais en reprendre un ou deux. Alors, on a le Capricorne, donc on a un signe de terre aussi, d'accord? Et on a la feuille verte. Donc ici, je pense que il y a des choses qui ont pris fin, où vous êtes en train de lâcher des choses depuis un certain temps pour pouvoir refleurir dans la matière. Il y a des choses qui arrivent dans la matière, en tout cas, il y a des choses qui vont se manifester ici pour vous. Hein. Voilà le choix numéro 1 avec le rat, ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider, likez, abonnez-vous. Moi, je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, tout ça. Ça me fait énormément plaisir. Et puis, ben, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue au choix numéro 2 qui était le saut en parachute. Donc on va commencer pour vous. Je vais demander ici dans quel domaine, dans quelle situation de votre vie on vous parle pour voir un petit peu. Donc ça pourrait être dans tout domaine ou dans une chose bien précise. Bien sûr, tout ce qui va travailler sur l'intérieur va se manifester à l'extérieur. Donc tout ce qui va être travail
sur vos blessures, sur votre intérieur, forcément, a des impacts sur plusieurs domaines de votre vie, mais c'est pour vous permettre un peu de vous situer. Ici, ça permet parfois d'éclaircir les messages et de mieux d'avoir une meilleure compréhension de la guidance. On y va. Allez, le choix 2. Sur quel domaine de votre vie? Alors ici, on parle de nouveaux projets, de timidité, de reprendre confiance en soi. Avec l'ermite, on a l'introspection, le silence et le travail spirituel. Et le 10 de bâton nous parle de travail, de responsabilité et de fardeau lourd à porter. Ici, j'ai plusieurs situations. La première chose qui me vient, c'est que peut-être que suite à un travail sur votre spiritualité ou un début d'éveil, c'est possible, qui commence et vous commencez à monter un petit peu en niveau, etc. et à comprendre des choses, peut-être qu'il y a un. Vous vous rendez compte que votre fonctionnement en général dans votre vie, que ce soit sur le travail, sur vous, chez vous, hein, tout simplement, peut-être que vous êtes quelqu'un qui fait tout le temps le ménage, pour que ce soit clean, vous prenez pas le temps de vous reposer, vous courez toujours à droite, à gauche, ou peut-être que c'est vraiment un travail dans la matière où vous avez beaucoup de responsabilités, où c'est lourd, où vous en pouvez plus, où il y a une situation en particulier qui vous pèse. Voilà. Et ici, on voit que vous n'osez pas. En fait, vous n'osez pas acter quelque chose de nouveau, qui serait pourtant très bénéfique pour vous, mais là, vous faites un peu le timide ou la timide, vous êtes un peu sur la réserve. Donc, soit c'est un changement total de vie, que ce soit pro, relationnel, peu importe, soit c'est un changement intérieur. Là, je vous sens entre deux, c'est-à-dire vous n'êtes plus dans votre vie d'avant et vous n'êtes pas encore dans la nouvelle vie. Je ressens dans l'entre-deux. Je vais prendre une carte supplémentaire. Valet d'épée, lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. Ici, il y a aussi la notion quand même de manque de confiance en soi. D'accord? Donc peut-être que vous avez tendance à trop être en introspection, à trop faire ça. Ici, je ressens une énergie de remise en question, mais qui s'arrête jamais en fait. Et du coup, ça vous empêche de passer à l'acte. Voilà. Donc ici, il y a une notion de lâcher prise et d'avoir la foi et de faire confiance là-haut que tout va bien se passer. Ok, bon, je ne vais pas aller plus loin. On va regarder avec les autres cartes. Du coup, qu'est-ce que ce portail va manifester, va vous aider à avancer, à débloquer ou à manifester dans votre vie, dans la matière et au niveau de vos énergies. Allez, c'est parti, le choix numéro 2. Oui, en plus, le son parachute, hein. Oser se lancer, oser y aller. Donc ça peut parler de plein de domaines différents. Hein. Vous n'aurez pas tous the end. Ici, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Ou quelque chose qui a pris fin, qui est fini. Moi, j'ai l'impression que c'est cette introspection. Là. On vous dit, c'est bon, t'as assez réfléchi là, il faut y aller maintenant. Arrête d'attendre. Ose te lancer. C'est comme si vous restiez dans quelque chose qui vous pèse, qui est lourd, que vous avez du mal. Là, je vous vois vraiment galérer à avancer. C'est lourd, ça fait mal au dos. C'est peut-être vraiment même des douleurs au niveau de votre dos. Et on vous dit, mais lâche prise en fait. Aie confiance, lâche tout ça. Lâche ces fardeaux, c'est fini, c'est terminé. Il faut arrêter d'attendre. Ici, il faut y aller. J'entends vraiment ça. On va voir avec les cartes en complément. Alors, je vais prendre une carte comme ça. Le choix numéro 2. Alors, ici, on a la carte du repos, restructurer et libération de la culpabilité. Donc, peut-être que vous avez une forme de culpabilité qui vous empêche d'avancer. Peut-être des choses que vous vous sentez coupable de ces choses-là. Ça peut être diverses choses, hein. Ici, on vous dit qu'il faut vraiment vous reposer, restructurer votre vie à l'intérieur de vous-même, vous restructurer et vous libérer vraiment de la culpabilité. On vous dit c'est bon, c'est fini, libère-toi maintenant. Ok. Alors, on continue. Je prends une autre carte pour le choix 2. Le féminin sacré. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je parle des femmes ici, ou des hommes. On va englober tout le monde. La polarité féminine, on l'a tous, hein. Chez certains hommes, elle est plus prononcée que chez certaines femmes. Pourtant, on est des femmes, mais ça arrive. Et on peut être une femme et avoir une polarité masculine plus prononcée. Ici, je peux avoir des personnes qui ont subi des attouchements, des viols, des choses comme ça. Et inconsciemment, ça vous a marqué, comme marqué au fer rouge, j'entends. Et du coup, vous avez toujours cette forme de culpabilité en vous.
ce fardeau, comme si c'était écrit sur votre front, c'était gravé en vous, et que vous aviez beaucoup de mal en fait à vous lâcher, à lâcher ça. Et à reprendre confiance en vous par rapport à ça. Donc pour certains, c'est vraiment, je sens, voilà, des attouchements, des viols, des choses comme ça. Pour d'autres, ça peut être vraiment physique. Peut-être trop de poids, des seins trop petits. Je sais pas, ça peut être plein de choses différentes, mais en rapport avec le corps ou la féminité. D'accord? Je ressens ça. Voilà. On vous dit, ok, c'est passé. Cette situation, elle est passée. D'accord? Tu peux pas revenir en arrière. Donc il faut maintenant que tu lâches prise, que tu sortes de cette culpabilité, peut-être que tu fasses un pardon, et pour te libérer toi, pas pour excuser ce qu'on t'a fait par exemple, mais vraiment pour te libérer. Il y a une notion comme ça. Est-ce que aussi peut-être qu'il y a des femmes qui ont eu des rapports, je peux avoir des personnes, vous voyez, dans le féminin qui ont eu des rapports, en fait j'entends qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas pris soin de leur corps. Et elle culpabilise de ça. Il y a une notion aussi comme ça. Bon, il y a plein de situations, choix deux, donc vraiment, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation. Je vais compléter encore ici avec ce jeu-là pour le choix numéro 2. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Donc là, on vous dit qu'il faut reprendre la légèreté, il faut sauter dans le vide, il faut vous laisser porter par le vent. Pour retrouver votre joie intérieure. Et si c'est comme si vous aviez éteint cette flamme en vous qui vous permet de prendre du plaisir avec votre corps aussi, dans vos rapports sexuels, ça peut être ça, mais aussi dans votre vie en général, dans tout domaine. La passion, faire les choses avec passion, s'apprêter, ça peut être, par exemple, ça peut être totalement un truc différent, mais vous êtes une femme et vous êtes en période de ménopause. Et du coup, ça crée un gros changement dans votre féminin, dans votre féminité. Et du coup, vous avez. Peut-être que vous avez de la culpabilité, est-ce que vous avez peut-être un manque de libido, j'en sais rien. Vous montrez, il n'y a pas de choses taboues sur ma chaîne, hein, je le dis. Je ressens ça, donc je vous le transmets. Et du coup, voilà, où il y a un, voilà, y a une notion comme ça, et ça a terni quelque chose en vous. C'est comme si vous étiez éteinte. Il y a une partie de vous qui s'est éteinte, et on vous dit que non. Pour reprendre la légèreté et vous réconcilier avec votre joie intérieure. Ok. Et on vous dit en deux decks, hein, et puis ça résume totalement ça, de sortir de votre zone de confort. Si ce que vous faisiez avant ne fonctionne pas, faites autre chose. Faites quelque chose de nouveau. Ça vous permettra aussi de reprendre confiance en vous. Allez, non, je vais prendre une carte d'abord du tarot des sorcières pour voir un petit peu ici la carte qui sort pour vous, le choix numéro 2 par rapport à qu'est-ce que ce portail vous aide à manifester dans la matière, vous aide à débloquer. Allez, choix 2. L'as d'épée. Bah, vous allez trancher, vous allez couper. Une forme de victoire pour moi, les as, de toute façon. Et une victoire ici, sur votre mental, sur vos fausses croyances, sur vos idées limitantes, sur l'image que vous aviez de votre corps, de vous-même, sur ce qui a pu se passer dans votre vie. Vous décidez de couper clairement et nettement avec les choses qui vous empêchaient de sauter, d'y aller. De vous faire confiance, d'oser un nouveau projet, d'oser quelque chose de nouveau que vous aurez peut-être imaginé mais pas osé faire. Il y a vraiment ça, cette notion-là. Je vais compléter quand même, je prends bien un détail supplémentaire, c'est très beau. Vous voyez que cet aigle, on reprend de la légèreté vraiment, on prend de la hauteur, on voit les choses d'aujourd'hui. On vous dit ça, tout ça, c'est terminé, c'est fini. Aujourd'hui, tu n'es plus dans cette situation, tu ne vis plus ça. Prendre la hauteur pour te rendre compte et tranche avec ces. En fait, ici, il y a une situation, quelque chose qui s'est passé. Et c'est comme si l'énergie de cette situation, vous continuez à la revivre inlassablement. Et du coup, ça vous empêche de retrouver de la joie. C'est comme si vous restiez bloqué énergétiquement dans une situation qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir, où il y a eu une grosse responsabilité, un gros fardeau à porter, où il y a une grosse culpabilité ici. On a les amoureux, donc ça peut être une ancienne relation amoureuse, un choix amoureux que vous avez fait, vous avez tranché, vous avez fait un choix. Peut-être que vous en portez au corps aujourd'hui les responsabilités. Vous avez peut-être eu dans cette relation des grosses responsabilités, un gros fardeau à porter. Vous avez peut-être décidé de vous séparer ou de divorcer, hein, peu importe les situations.
Et du coup, on voit que vous êtes resté dans cette énergie-là de j'ai pas réussi, je culpabilise parce que si j'étais restée avec cette personne, par exemple, mettons, je sais pas, vous avez des enfants, est-ce que mes enfants auraient vécu les choses différemment? Bon, il y a une notion comme ça, en tout cas. Voilà. C'est comme si cette culpabilité, vous la reviviez encore et encore. Ok. Et on vous dit, eh oh, cette personne t'a trahi, cette personne t'a fait du mal, cette personne ne t'a pas respecté, tu as eu raison de couper, de trancher et de sortir de ça. Voilà. Ne culpabilise pas. Tu as fait ce qu'il fallait, ce qui était bon pour toi. Ici, on te le confirme encore. Je ne sais pas depuis combien de temps ça s'est produit. D'accord? Mais on te dit que c'est terminé. Maintenant, si tu es encore dans une relation amoureuse et que tu te poses la question depuis longtemps, mais que tu n'oses pas passer à l'action, peut-être ça, hein, et ben on te dit c'est terminé maintenant, vas-y. Saute dans le vide, lance-toi, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Sors de cette situation. Bien sûr, ici, je vois plus le côté relation, sentimental, mais ça peut vous parler d'un autre domaine de votre vie. Hein. Les amoureux, donc ça me parle plus de ça, mais voilà. Hein, ça peut vous parler, pour certains, ça peut être aussi un événement qui s'est passé dans votre enfance. Ici. Ça peut être un amour d'enfance, mais ça peut être aussi une situation ou quelque chose qui s'est passé dans votre enfance, quand vous étiez enfant, et que vous restez dans cette énergie depuis toutes ces années. Ok, je vais prendre le Line of Love. Et on y va pour vous. Donc le portail, qu'est-ce qu'il ouvre à vous? Allez. Vous sortez de l'illusion, vous tombez les masques et vous prenez une décision. Vous faites votre choix ici par rapport à un homme. Vous tombez les masques et par rapport à... Alors si vous êtes un homme, vous sortez l'illusion et vous vous regardez plus en arrière, mais vous allez de l'avant. Et si vous êtes une femme, pour moi, vous tombez les masques par rapport à un homme. Vous sortez l'illusion, vous faites un choix. Triangulaire, donc ici, bah voilà. Est-ce que justement vous, ça peut être vous par exemple qui avez, vous aimez quelqu'un, d'accord, et vous êtes en couple, vous voulez sortir de cette relation pour aller, hein, voilà, la triangulaire, elle est peut-être pas forcément avérée ici. C'est peut-être que vous, vous pensez à quelqu'un, mais vous n'avez rien dit à cette personne et vous l'avez mis en secret par exemple, et que vous êtes en couple et que justement vous voulez sortir de cette relation qui ne vous correspond plus pour aller vers quelqu'un d'autre, c'est possible. Hein. Voilà, ça peut être cette notion-là, ça peut être aussi que vous savez que vous êtes en triangulaire, cette personne vous a trahi. Et du coup, vous décidez de voir les choses en face et de sortir de cette relation. Ouais, c'est possible qu'on parle de ça aussi. On a la sexualité ici, donc la passion, je dirais, reprendre du plaisir, retrouver de la passion, voilà. On rééquilibre la passion, on rééquilibre aussi le côté la sexualité, hein. Donc on remet un équilibre dans des relations. Donc est-ce que ça peut être certain, vous avez des relations charnelles avec une personne, vous saviez que vous étiez en triangulaire et vous décidez de prendre une décision pour rééquilibrer les choses, pour sortir de cette triangulaire justement. Il y a des notions comme ça. On a quand même encore la carte de la légèreté, le choix 1, on l'avait déjà eu. Il y a quand même des énergies qui sont similaires. Alors est-ce que ce portail aide vraiment à sortir des situations toxiques et compliquées et vient nous aider vraiment à mettre un coup de boost? Ouais, il y a des déménagements, il y a des séparations, il y a des déplacements ici. Hein. Ok. On a la lumière qui revient, ça ressemble vraiment au choix numéro 1. Donc si ici ça vous a parlé, mais peut-être pas trop, allez écouter le choix 1, peut-être que ça vous parlera mieux. Maintenant, faites comme vous le sentez. Hein. Ok, donc voilà pour vous le choix numéro 2. Je vais prendre un conseil ici pour finir cette guidance. Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Donc ici, en fait, c'est ça. Je pense que vous manquez de confiance en vous. Et du coup, vous avez peur de ne pas y arriver seul. Peut-être que vous ne faites pas assez confiance pour sortir de ça. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Donc faites-vous confiance, vous êtes une belle personne. Est-ce que vous avez peut-être peur aussi de sortir d'une situation par exemple de couple et de retrouver personne, alors qu'en fait non, vous êtes une magnifique personne aussi et vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour briller. Et puis d'abord qu'on est dans une relation toxique, je pense pas que la relation vous amène à vous mettre en avant sous votre plus beau jour.
Ici, peu importe, ça peut être une autre situation qui n'a rien à voir avec une situation sentimentale. Vous êtes nombreux et nombreuses à faire des choix, donc je transmets tous les messages. Ici, on vous dit que vous êtes une belle personne et qu'il faut oser briller. Voilà le choix numéro 2. Je vous embrasse très fort et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao! Je refais une petite aparté pour le choix numéro 2 parce que j'ai oublié les breloques et surtout j'ai eu un flash, une vision. Donc je vais vous dire les choses. Il peut y avoir certaines personnes, que ce soit un homme ou une femme, vous avez été trompé par un partenaire et quand vous l'avez appris, vous avez l'impression d'être sali au niveau de votre corps carrément. Ça peut être il y a longtemps ou actuel. Donc il y a cette notion-là. Et pour d'autres, ça peut être que par exemple, la personne vous a manipulé ou menti en vous disant que cette personne, par exemple, voulait une relation sentimentale, quelque chose de sérieux, et qu'en fait, vous êtes rendu compte que non, pas du tout. Cette personne s'est moquée de vous parce qu'elle voulait absolument vous avoir dans son lit. Et du coup, vous en voulez aujourd'hui, vous ressentez une culpabilité d'avoir été naïf ou naïve, c'est ce que j'entends. Ici, dites-vous bien que de toute façon, vous n'avez rien à vous reprocher. D'accord? Aujourd'hui, c'est terminé. Vous êtes une belle personne. Brillez, retrouvez confiance en vous, prenez de la joie. La personne qui saura vous aimer et voilà, le véritable amour, c'est la personne en face, hein, vous fait rayonner, vous fait devenir beau, belle, vous sentez désiré, désirable et beau. Donc, vous inquiétez pas, ça arrivera. Voilà. La partie que je voulais faire pour le choix 2. Je vais prendre des breloques rapidement pour vous. Allez. Alors ici, on a la reine Elisabeth. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes un roi, une reine, ne l'oubliez pas. D'accord? Vous êtes une magnifique personne, reprenez votre pouvoir, remettez votre couronne sur la tête, marchez droit, vous n'avez rien à vous reprocher, faites-vous confiance, brillez, soyez beau, soyez belle, ne vous laissez pas entacher par des comportements toxiques des autres. Vraiment, c'est ce que j'entends pour vous. Guérison du chakra du cœur. Et nous avons la lettre Z. Donc voilà, je ne sais pas si ça résonnera pour vous, mais on a la lettre Z. Donc ici, voilà pour le choix 2, j'en ai cette fois-ci terminé. Et je passe au choix numéro 3, donc qui était la carte postale. Donc bienvenue à vous qui avez fait le choix de la carte postale. On y va, on va voir ici déjà le portail, sur quoi il travaille au niveau de votre situation, dans quel domaine, si c'est tout confondu, si c'est plutôt du côté intérieur, si c'est plutôt sur le pro, sur le sentimental, peu importe. On va aller voir ça un petit peu, bien sûr, si ça ne vous parle pas, vous pouvez écouter le reste de la guidance, c'est juste pour vous aider à vraiment mettre le doigt sur qu'est-ce qui se passe, sur quoi ça agit, sur voilà. Allez, choix numéro 3. Alors, on parle de roi de denier. Stabilité, complétude, réussite professionnelle. On parle du côté pro pour l'instant. Ok. On a la carte alors, des faux jumeaux. C'est la carte des faux jumeaux, des fausses flammes jumelles, mais moi je vais surtout prendre le côté emprise, manipulation, sorcellerie qui est tombé à l'envers. Donc pour moi, ça veut dire qu'on sort de ça. La rupture. Alors, ok. Ici, actuellement, alors là j'ai une situation de vie qui me vient, c'est qu'actuellement vous êtes focalisé sur votre complétude, sur vos réussites professionnelles, vous voulez retrouver la stabilité. On parle d'un homme stable, mais moi je pense que c'est la polarité masculine ici, c'est le côté action. J'agis dans la matière au niveau professionnel pour me sentir bien. Pour réussir aussi professionnellement, parce que c'est important, peut-être que dans le passé, vous ne vous préoccupiez pas de votre côté professionnel, peut-être que vous étiez plus focalisé sur une relation, mais ici on voit que soit vous êtes actuellement séparé de cette personne, soit vous avez conscientisé que cette personne n'était pas la bonne, qu'elle vous manipulait, qu'elle avait une grosse emprise sur vous, et du coup, au niveau des énergies, vous êtes déjà en séparation, parce que aujourd'hui, ces agissements n'ont plus d'acte de. Non plus de prise, d'emprise sur vous. D'accord? Et si c'est pas encore le cas, ça arrive là avec ce portail. En tout cas, moi je pense que c'est déjà le cas. Vous avez déjà fait ce travail-là et le portail va accentuer ça. Roi de coupe, homme amoureux, époux, père de famille. Donc moi je pense qu'ici, vous sortez une relation toxique. Vous êtes en train de prendre conscience de je me réalise au niveau professionnel. Je vais aussi avoir des réussites.
financière et matérielle, et je veux aller vers une véritable relation d'amour, une vraie famille, une vraie relation où j'aimerai l'autre et l'autre m'aimera sans condition, sans me manipuler, sans vouloir que je sois quelqu'un d'autre. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous, le choix numéro 3. Et en plus, on a le jugement divin, verdict divin, destin, réponse. Donc ici, clairement, l'univers rentre ici dans cette guidance, ce choix 3, pour vous transmettre le message. Ok, allez, on y va. Je vais me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de batterie. J'aimerais bien faire ça sans que ça coupe. Alors, pour vous, le portail. Waouh! Alors, cette carte nous parle de quartz rose et d'olivier. Alchimie de l'amour, paix, compassion, énergie vénusienne. Donc ici, on est clairement dans l'amour, dans toute sa splendeur. Donc, est-ce que vous avez traversé une relation compliquée et qu'ici, soit vous êtes séparés, soit vous vous décidez de vous séparer, en tout cas, vous êtes en train de maturer l'idée pour aller vraiment vers une relation d'amour, une véritable relation amoureuse. On a les faux jumeaux, donc peut-être que vous pensiez à un moment donné que la personne avec qui vous étiez était la bonne, en tout cas qu'il y avait un lien d'âme, et en fait, vous vous rendez compte que non, ça sera pour quelqu'un d'autre. Vous êtes peut-être bien en lien d'âme, vous le ressentiez depuis longtemps, mais la personne avec qui vous pensiez être en lien d'âme n'est pas la bonne. C'est possible. Ok, alors, prenez ce qui résonne, bien sûr. On continue. La chance. Et oui, la chance, elle tourne. Ça y est, enfin, moi, j'entends que l'univers vous envoie vraiment la bonne personne. Peut-être que ça va vous permettre aussi de sortir d'une situation, d'une relation. Ici, il peut avoir. J'aime pas trop utiliser ce mot pervers narcissique. Mais on est vraiment dans une relation où c'est pas équitable. Hein. L'autre, il manipule ici. C'est pas des vrais sentiments. L'autre, il se nourrit. Il vous fait être qui veut que vous soyez. Il se nourrit en fait. C'est pas sain. Mais il y a quelqu'un avec qui vous pourrez vivre. C'est une chance. Hein. Il y a vraiment une grosse chance qui arrive pour vous. Et vous aurez une relation avec une personne en harmonie affective. On aura vraiment de l'harmonie, on s'aimera, ce sera réciproque. Ok. Wow. Je dis oui à l'inconnu. Donc quelque chose de nouveau qui arrive, qui va vous permettre de tourner le dos à une ancienne relation, une fois pour toutes, de sortir dans ces énergies ou de vous séparer, de prendre conscience que ce que vous viviez actuellement, c'était pas sain. Ouais, c'était pas équilibré. Donc vous allez sortir d'une relation qui était déséquilibrée pour aller vers quelque chose de plus harmonieux. Ok. Je vais prendre ici une carte du tarot des sorcières. Donc j'en veux qu'une. Pour vous, le choix numéro 3, la lune. Donc ici, pour l'instant, on voit que les choses sont encore. On parle de sensibilité déjà, d'intuition, d'accord, avec la lune. Donc ici, vous ressentirez intuitivement la bonne personne arriver, ou alors vous l'avez déjà rencontrée, d'accord, et vous le sentez au fond de vous. Mais les choses sont floues. Tout va pas se faire comme ça, un claquement de doigts. Il y aura quand même le challenge de. Voilà. En sachant qu'on a quand même la carte postale. Donc ici, il peut y avoir des échanges, des messages, des nouvelles. Quelqu'un qui va arriver vers vous. Mais ça ne sera pas franc. Pourquoi? Parce que cette personne va éviter justement le conflit ou de créer plus de problèmes. Est-ce que cette personne sait peut-être que vous êtes dans une relation compliquée et que du coup va peut-être attendre que vous soyez libre pour venir vers vous, ou en tout cas le faire d'une manière détournée pour pas vous attirer plus de problèmes? Pour certains, j'entends vraiment ça. Pour d'autres, on va éviter justement d'aller dans des confrontations. D'accord? Si on est face à des confrontations, des conflits, on va éviter les conflits, on va faire autrement pour que tout se passe bien. Ok. Du coup, je vais quand même prendre une carte de ce jeu-là parce que j'ai oublié de le faire. Allez, pour vous, le choix numéro 3. Y a un gros changement émotionnel. D'une tempête émotionnelle, de quelque chose qui vous rendait malade, qui était toxique, qui vous faisait mal au ventre, qui n'était pas équilibré, qui vous faisait vous remettre peut-être en question sans cesse. Il y a un changement qui arrive ici. Ouais, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent, vous allez avoir des nouvelles. Ici, déjà, premier message, c'est que votre émotionnel, intérieurement, vous allez ressentir les choses. Et en plus de ça, il y a vraiment des nouvelles parce que je vous montre, hein, c'est la carte de la carte postale.
Et vous avez le dé de la carte postale. Donc ici, il y a les nouvelles qui arrivent. Ok, c'est trop bien. Allez, je prends le line of love et on y va pour vous. Les messages ici à vous transmettre concernant ce portail du 6 et 6. Allez, on y va. Le choix 3. Il y a la stabilité. On retrouve la stabilité. On a vu la carte aussi de l'harmonie affective. Ici, on vous dit que vous êtes dans les énergies d'amour. Hein. C'est la carte de l'alchimie d'amour. Je pense qu'ici, vous avez bien galéré au niveau sentimental et l'univers, vous avez compris des choses. Vous avez peut-être justement su retrouver. Est-ce que vous êtes une femme par exemple ou un homme hein, et vous êtes resté longtemps au foyer à vous occuper peut-être de vos enfants ou en tout cas à faire ce que cette personne attendait de vous et un jour vous avez décidé de dire stop et de vous préoccuper vous de ce que vous vouliez manifester. Ici vous avez pu aussi peut-être rencontrer quelqu'un par exemple dans le cadre de votre nouveau travail. Vous êtes rendu compte que cette personne vous était destinée et on vous dit qu'il y aura des nouvelles par rapport à cette personne. C'est possible. On a un retour de stabilité, de la sérénité, donc stabilité, sérénité, oh ça saute, compréhension, donc vous allez comprendre certaines choses que finalement fallait passer par là pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui. C'est très beau. Séparation, donc moi je pense que pour certains vous n'êtes pas encore séparés, vous allez vous séparer. Et c'est cette énergie, soit cette rencontre qui s'est produite, soit des nouvelles par rapport à une rencontre que vous avez déjà faite, soit à la rencontre, vous allez faire une rencontre et ça va vous faire un déclic. Je ressens ça. Allez, une autre carte, la lune encore. Donc ici, on est vraiment sur de l'intuition, on ressent l'autre, on sent qu'au contact de l'autre, on se sent épanoui, on se sent bien. C'est vraiment que cette personne vous amène de l'espoir en fait, de croire en ce que les choses puissent être équilibrées. Il y a vraiment là l'univers, là il n'y est pas pour rien dans cette histoire. Hein. C'est vraiment orchestré par le, par l'univers, ouais, très bien. Ok, donc du coup on va terminer avec un conseil pour vous ici. Donc, un conseil. On a Vénus qui tombe. Et taureau, bon, je vais y prendre les deux parce qu'elles sont tombées, pas de hasard. Donc le taureau, même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Moi je vous dis, ça n'a pas été facile, ça fait peut-être un moment où vous êtes dans cette situation, vous n'allez pas en sortir, on vous dit que ça arrive, ça y est, ne vous inquiétez pas, c'est pas que ça prend du temps et que ça ne se manifestera pas, d'accord? C'est juste que là, c'est en train de se concrétiser correctement pour que ce soit équilibré. Et avec Vénus, on vous dit, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Donc là, vraiment, vous allez ressentir les choses de manière importante au niveau sentimental. Je vais prendre des breloques pour terminer. Pour vous, le choix numéro 3. Alors, le flamant rose, pour moi, est le signe d'élévation. Déjà. Et en plus, il est rose, donc ça me parle de passion, d'amour, de quelque chose de chaleureux. On a le signe du peace and love, donc faites l'amour, pas la guerre, hein, vraiment, encore cette notion d'amour, de paix. Hein. Ici, on a le signe du lion, signe de feu, on parle de générosité. On a le chiffre 4, c'est marrant parce que le chiffre 4, comme il est dessiné sur le breloque, et avec ce flamant rose, ça fait le même chiffre. Donc il y a une notion avec le 4, allez voir au niveau la symbolique des nombres, le chiffre 4, de quoi il parle. Ici on a la couronne, d'accord? Donc moi je pense qu'ici on parle d'un amoureux, du roi, roi de deniers, roi de coupe. Donc ici il y a un accomplissement professionnel et sentimental. Vraiment. Vous allez réussir professionnellement et dans une relation sentimentale et peut-être que vous avez... Par exemple, créer un projet et à travers ce projet, vous avez rencontré, vous avez créé un projet où vous êtes en train de manifester des choses au niveau professionnel. Vous avez peut-être fait cette rencontre dans le cadre de votre travail aussi. Hein. Ça peut être tout lié. Hein. Et ici, on a la patte du chien qui nous parle de fidélité. Donc, vraiment là, chapeau artiste, je sais pas quoi vous dire de plus, c'est très beau.
Voilà le choix numéro 3. J'en ai fini pour cette guidance sur le portail du 666. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera en tout cas. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous. Vous pouvez partager la guidance si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous retrouverez en barre de description mon adresse mail. Et puis je vous invite à me contacter pour connaître les fonctionnalités des guidances et puis les tarifs. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à très vite. Ciao!